L'une des plus grandes attractions de la fête de la musique édition 2021 au Bénin restera sans nul doute, le concert du week-end de dernier à Cotonou, offert par Giovanni. Ouessou, plus connu sous son nom d'artiste Giovanni. Le vice-champion de The Voice Afrique francophone aura une fois de plus fait parler son talent. L'aventure The Voice Afrique francophone ne lui a pas souri. Il s'est vu recaler à la dernière marche et a dû se contenter d'une place de vice-champion. Mais cela n'aura rien ôté au talent de celui qui passe pour être l'une des attractions musicales du Bénin en ce moment. Giovanni. Ouessou, plus connu sous son nom d'artiste Giovanni était la vedette d'un soir le week-end dernier à Cotonou. Au nombre des manifestations retenues pour la quatrième édition de la Fête de la Musique, il y avait surtout ce concert donné, samedi 26 juin dernier, par cette belle voix en pleine éclosion. Pendant plus de trois heures. Giovanni et son orchestre ont tenu en haleine un public bien enjoué, venu certains pour découvrir le talent de ce jeune artiste considéré comme l'une des valeurs sûres de la musique béninoise et même africaine, et d'autres pour se détendre. Du répertoire de l'artiste aux sonorités traditionnelles et modernes du bénin en passant par des classiques africains et européens. Giovanni n'a pas fait dans la dentelle pour enivrer cette nuit, ses admirateurs. Le public présent témoigne de l'admiration portée à ce talent musical en pleine confirmation. Ce soir, il ne fallait être nulle part d'autre qu'ici pour se faire plaisir, confie Edoui Joach, jeune entrepreneur de la mode, venu suivre le spectacle. Je revois un Giovanni constant avec un répertoire de plus de 20 morceaux bien soutenu par un orchestre talentueux, laisse entendre Blaise tokao directeur des arts et du livre. Pour ce que j'ai vu déjà, je suis satisfait poursuit-il. Faut-il le dire, ce concert a bénéficié du soutien du ministère en charge de la culture. Une délégation y était d'ailleurs pour apprécier la prestation du jeune artiste. Le 3 juillet prochain, un spectacle de grande facture sera organisé par le même ministère, toujours dans le cadre des activités de la fête de la musique.